Salut les bandits, ici Wystog, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex, pour un sujet qui fâche. Est-ce que Apex est en train de mourir? Est-ce qu'Apex est un dead game? J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de commentaires sur mes vidéos, durant mes lives, de personnes qui disent Apex c'est mort, Apex est en train de mourir, Apex c'est un dead game. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'on est très loin du dead game, même si il faut le reconnaître, ces dernières semaines, ces deux derniers mois, en tout cas la saison 9 n'a pas été la saison qui a le plus marqué les esprits. Et j'avais envie de faire cette vidéo au regard des statistiques qu'on peut connaître sur le jeu, à savoir les joueurs sur Steam et les viewers sur Twitch, pour essayer de vous faire un petit point d'ensemble sur Apex et pourquoi selon moi Apex a de nombreuses années devant lui. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous plaît mes chers bandits, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous savez que ça m'aide énormément et je vais commencer du coup par vous parler des stats sur Steam. Alors, vous le savez, Apex est disponible sur Switch, PlayStation, Xbox, PC et sur PC, il est disponible sur Origin et sur Steam. Malheureusement, on ne peut pas avoir les statistiques détaillées du nombre de joueurs, que ce soit sur Origin, sur PlayStation, Xbox. La seule donnée quantitative qu'on a, ce sont les joueurs sur Apex, sur Steam. Quand on regarde les statistiques, eh bien, sachez qu'Apex Legends est le quatrième jeu le plus joué sur Steam. Et ce qui est quand même super intéressant à noter, c'est que, par exemple, PUBG, qui est un Battle Royale concurrent, effectivement, il dépasse Apex Legends, et PUBG est un jeu payant. Mais il faut bien voir que PUBG n'a aucune autre plateforme sur PC où on peut y jouer. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on a au moins autant de joueurs sur Origin que sur Steam, peut-être un petit peu moins. Donc, déjà sur PC, je pense qu'on peut multiplier, j'ai envie de vous dire, les joueurs actifs par deux. Allez, si on, à la louche, on pourrait dire 250 000, ne serait-ce que sur PC. Alors 250 000 joueurs, c'est sûr que quand on compare par exemple des jeux tels que Dota 2, qui sont à 600 000 ou CSGO à 650 000, ça paraît pas énorme. Oui, mais sauf que CSGO, c'est un jeu qui est uniquement jouable sur PC, techniquement. Et on oublie en fait que Apex Legends, il est jouable sur Xbox, il est jouable sur PlayStation, il est même jouable sur Switch. On va avoir une version mobile qui va bientôt sortir, bien sûr qui sera totalement différente, mais qui permettra d'étendre un petit peu plus la renommée de cette licence. Et j'ai quand même envie de remettre les choses dans le contexte. Quand on regarde le nombre de joueurs qu'on a eu sur Apex, sur 6 mois, effectivement, on arrive sur des données qui commencent petit à petit à se lisser. Mais par exemple, au début de l'année, on était 129 000 sur Steam. Et aujourd'hui, alors que le jeu va entre guillemets mal, on est presque à deux fois plus. Et début de l'année, c'était pas une nouvelle saison. Hein, c'était juste voilà, milieu de saison comme un autre. Donc on peut quand même voir qu'effectivement, il y a toujours des joueurs. Il y a toujours des joueurs qui jouent au jeu sur Steam. Ce qui est peut-être un petit peu plus significatif, c'est aussi la popularité du jeu sur Twitch. Alors, forcément, il y a plus de viewers sur Twitch de façon générale, donc il y a plus de viewers sur Apex. Et quand on regarde les statistiques sur Twitch Tracker d'Apex Legends, eh bien, on voit que le jeu a des plateaux, en fait. Et à chaque saison, on a toujours le même pic de début de saison qui, effectivement, est plus ou moins élevé. Alors, il y a un truc qu'il faut que je reconnaisse, c'est que, effectivement, le pic de viewers à la sortie de cette nouvelle saison est tournée autour des 151 000 de moyenne, plutôt de pic, mais voilà, 151 000 viewers en moyenne pour la sortie de cette nouvelle saison, et aujourd'hui on est à 63 000, donc un peu plus de la moitié des joueurs qui regardaient Apex Legends sur Twitch ont disparu. À titre de comparaison, quand on compare par exemple eh bien, une sortie, je sais pas moi, d'une saison, je crois que c'était la saison 4, à la même époque, du coup, en février 2020, on était à 55 000 de pic, et on a fini la saison aux alentours des 25 000. Donc vous voyez qu'au final, la vérité, c'est que effectivement, il y a toujours des pics de viewers, et vous pouvez le vérifier hein, tout à fait facilement, il y a toujours des pics de viewers sur les nouvelles saisons, et ensuite, on perd la moitié des viewers au fur et à mesure
que la saison se termine. Là où ça a été intéressant, c'est que sur la précédente saison, on a vu quand même un pic qui s'est plutôt bien maintenu. Pourquoi ? Eh bien parce que le jeu a gagné en popularité malgré le fait qu'il n'y avait pas de nouveautés. C'était un peu l'effet Apex saison 8, je pense que même du côté de chez Respawn, on n'a pas trop compris. C'est une des premières saisons en fait où on a eu un pic pas super important pour le début de la saison, donc deux fois plus de viewers que la saison précédente, mais derrière en fait on s'est plutôt bien maintenu et on n'a pas vraiment perdu 50% de viewers, on a plus perdu 25-30%. Donc oui, techniquement il est vrai que comparé par exemple à la saison précédente, on a moins de viewers en moyenne comparé au pic du début de saison, mais on se maintient toujours bien. Alors peut-être que ça vous ennuie un petit peu toutes ces statistiques, mais c'est un truc que je trouve super intéressant à quantifier parce que ça représente la hype et la popularité du jeu. Et vous le savez, maintenant on est en 2021, il y a beaucoup de jeux qui dépendent justement de ça, notamment les free-to-play qui dépendent vraiment de leur communauté et du nombre de joueurs investis dessus. Et cette donnée-là, cette donnée métrique-là, elle est intéressante. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, et je ne vous referai pas de vidéo de ce type-là avant longtemps, je pense, j'en parlerai dans une vidéo news, c'est de voir si justement ce nombre de viewers eh bien, va continuer de descendre peut-être en dessous des données de la saison 8. Et je pense que là, on est sur un plateau qui tourne justement autour du même nombre de viewers qu'on avait sur la précédente saison. Et si on tombe en dessous, eh bien, effectivement, on pourra dire qu'Apex a une saison 9 qui marche moins bien que la saison 8. Et globalement, quand on regarde, elle marche aussi bien, en fait, que la saison précédente. C'est juste qu'elle marche pas mieux. Et il y a juste un truc qui est vrai aussi, c'est que globalement, même si c'était moins important, toutes les saisons, eh bien, elles marchaient un peu mieux que les précédentes. La saison 7 a bien marché, mais c'est surtout la saison 8 qui a tout dégommé d'un point de vue donné. En substance, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo ? C'est que non, Apex n'est pas en train de mourir. Oui, Apex est toujours en vivant. Et malheureusement, je pense que, par contre, du côté de chez Respawn, on devrait faire un petit peu plus attention à proposer des mises à jour fréquentes. Parce que c'est ce qui fait que les gens continuent de jouer à un jeu, les mises à jour fréquentes. Ce qui m'inquiète un chouïa, je vais pas vous mentir, c'est qu'Apex Legends, là, avec cette saison en demi-teinte, a subi quasiment 2 mois, du coup, 1 mois et demi de mi-saison sans mise à jour. Et on va se retrouver durant l'été, pour quasiment toute la fin de cette saison-là. Et c'est vrai que l'été, généralement, il y a moins de joueurs, il y a moins de viewers, etc. Ce qui est tout à fait normal, parce que bah, les gens, parfois, partent en vacances, ils profitent du soleil, etc. Même si c'est pas pareil, effectivement, dans tous les hémisphères, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, l'été, c'est toujours un petit peu plus calme, de façon générale, dans l'écosystème vidéoludique. Et j'avoue que je suis pas tout à fait rassuré de voir qu'Apex a déjà une baisse qui, pour moi, était la baisse estivale. Et globalement, pour résumer les bandits, ne vous inquiétez pas, Apex n'est pas en train de mourir, du côté de chez Respawn, on a certainement des plans jusqu'à la saison 20, j'en suis persuadé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que comme j'ai pu vous l'expliquer dans une vidéo récemment, les chiffres d'Apex Legends sont vraiment satisfaisants, près d'un milliard de chiffres d'affaires les amis. C'est quelque chose qu'on ne met pas de côté, et c'est quelque chose qu'on va continuer de développer. Moi les seules interrogations que j'ai, je vous avoue, c'est quand je regarde les chiffres que ça engrange, la popularité incroyable dont a pu bénéficier Apex sur la dernière saison comprend mal certaines décisions stratégiques par rapport à, par exemple, cette saison 9. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus communiqué ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus proposé de choses ? Alors j'ai bien conscience, hein, on a toujours voilà, des limites d'un point de vue développement, on peut pas tout développer d'un claquement de doigts, mais quand même, je pense que cet début de saison 9 a été pour le moins assez décevante d'un point de vue contenu. Il y a un dernier truc dont je vais pas parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est l'état de la ranked. Et l'état de la ranked est assez désastreux en ce moment parce qu'il y a beaucoup de cheaters. J'espère que ça va changer avec le prochain patch. Quand on regarde un petit peu du côté de Twitter, du côté des professionnels, des joueurs pro, il y a beaucoup de mecs qui arrêtent de jouer, qui font des pauses parce qu'il y a beaucoup de cheaters et que c'est une situation qui est un petit peu hors de contrôle. Alors, pour être honnête, ça touche moins les joueurs en dessous, mais plus la saison avance, plus les cheaters se dispersent un petit peu dans tous les rangs. Je pense que ça offre une très mauvaise vitrine au jeu, et je pense que les cheaters font vraiment énormément de dégâts à Apex. Mais encore une fois, je jette pas la pierre aux développeurs, parce que je pense que c'est juste une question de priorité, et peut-être qu'ils n'ont pas réussi tout simplement à régler ce problème-là, parce que
Je pense en tout cas que par exemple la popularité des streamers pro d'Apex qui font du Predator 10-15 heures par jour, bah quand ils arrêtent de stream sur leur jeu préféré, bah ça fait forcément moins de viewers sur le jeu. Donc moi j'ai grand espoir aussi que la prochaine mise à jour, le prochain patch ramène du monde, surtout si les problèmes de cheat sont fixés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Peut-être que les chiffres vous ont un petit peu ennuyé, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouvais que c'est des chiffres intéressants à analyser. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Joliment dit.